Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Maybe Planet. C'est le Midi Libre qui a sorti l'information le 11 novembre à 11h27. Un article au titre assez accrocheur, un ovni observé dans le ciel d'Occitanie, d'intrigantes vidéos interrogent les internautes. Alors dans cet article, le Midi Libre précise qu'une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre un phénomène lumineux dans le ciel particulièrement intrigant ce mardi 9 novembre, une activité lumineuse étrange qui aurait été observée près du littoral méditerranéen. C'est le site de météorologie Météogare Hero qui a publié sur Twitter plusieurs vidéos pour le moins énigmatiques. L'événement aurait été observé depuis Montpellier, Cournon-Terral, Palavas-les-Flots ou encore Sète et des signalements auraient même été rapportés depuis l'Andorre, Narbonne et Perpignan. Alors lorsqu'on visionne ces vidéos, on peut bien sûr éliminer les étoiles, on peut éliminer les avions, on peut éliminer les satellites, les lanternes thaïlandaises, et oui sur le coup, pour moi ce n'est pas une lanterne thaïlandaise, reste la possibilité d'un drone. Parlons plutôt peut-être d'un drovni sur le coup, quid de la luminosité, quid de l'autonomie de la batterie du drone. Il semble évident qu'ici, il ne s'agisse pas de drones à prix bon marché. On parle de dizaines de personnes qui ont vu le phénomène ce mardi 9 novembre. Peut-être qu'effectivement, encore une fois, le drone est une thèse qui tient tout à fait la route. Mais va-t-on trouver le ou les propriétaires de drones, puisqu'il peut s'agir aussi d'une action coordonnée de plusieurs personnes? Le GEPAN aurait été informé ou en tout cas sollicité sur cette étude. C'est un cas, bien sûr, que nous allons suivre de très près. Très bonne fin de journée à tous!